Salut, yon l'autre fois et bienvenue pour une nouvelle classe. Côté que nous allons apprendre comment nous sommes capables d'utiliser classe et ID en CSS dans HTML. Ok? Premièrement, imaginez et nous sommes utiliser CSS de façon interne. Ok? Imaginez immédiatement nous relayer H2. Tout HD qui gagne dans page HTML nous an, pour aller prendre tout attribut ou bien tout paramètre nous passer dans H2 dans style CSS nous an. Imaginez qu'on y a nous gagne quelques H2 nous pas t'aimé appliquer même formatation ça là-dedans. Qui ça nous doit faire? D'abord et bon pour exemple ensemble avec nous. Imaginez nous gagne un bus qui a sorti Port-au-Prince pour aller Gonaïves. OK? Chaque monde qui dans bus là yo chita dans une place différent et chaque place ça yo considéré yo gagnon yon ID et chaque place ça gagnon ID yo unique parce que yon moun pa ka gen même numéro ID avec yon l'autre moun, c'est-à-dire deux moun pa ka chita dans place numéro 1, deux moun pa ka chita dans place numéro 2. On considéré bus là gagne 20 places, place yo numéroté 1 2 3 4 jusqu'à 20. On considère chaque place ça yo gen un ID. ID a c'est numéro qui là dedans. OK? C'est-à-dire ID li unique. M'vle nous retenir ça, m'vle nous prendre ça. ID li unique. Bon vini dans page moi là, bon changer titre. Et pour ka expliquer nous bien, OK? On parle jeudi qu'on y a des classes et ID. OK? ID. Voilà. OK. Classe. Classe. C'est quoi? OK. On imagine dans bus ça nous dit chaque monde gagne une place. Nous considérons place ça comme numéro et numéro ça nous considérons dans pour un ID. ID a li unique, c'est-à-dire si mre le moun ki chita nan numéro 1, c'est moun ki se sel moun ki nan numéro 1 ka vin jwenn, parce que c'est ID moun nan. An suppose bus la li gen fi, li gen garçon. OK? Eh bien, n'a pas considérer qu'on y a tout garçon. Nous ka considérer moun ki nan place 1, nan place 2, nan place 5, nan place 7, c'est garçon. Eh bien, nous capable di garçon yo nous identifier par classe, par sexe. Qui vient c'est une classe, OK? Si nous relé classe masculin, tout garçon a vinn joindre nous. Si nous relé classe féminin, toute fille a vinn joindre nous. Nous la différence qui gagne ID li unique, c'est-à-dire c'est un seul monde qui a gagne un ID différent, chaque monde a gagne ID par différent, mais les classe nous capable relé un groupe de monde. Par exemple, dans bus nous capable relé tout garçon nous attribuer une classe avec qui c'est sexe masculin et sexe féminin pour toute fille. Ça veut dire nous avons plus que un garçon dans le bus là, nous avons plus que un fille dans le bus là. Nous souhaitons nous te comprendre l'explication ça m'ban nous qu'on y a en nous essayer pratiquer ça me souhaite expliquer nous an, pendant nous avons utilisé classe avec ID dans page CSS nous an avec HTML. OK? Voilà. On considère nous gagnons bon diminuer dans paragraphe yo juste pour nous faire nous écrit plus bagaille. OK, juste pour nous écrit plus bagaille intéressant pour nous bien voir qui ça n'a fait. OK, on considère. OK, on veut bien plus zoom. OK, on considère qu'on y a là et nous gagnons. Combien HD nous gagnons? Nous gagnons 2 HD. OK? Nous gagnons 2 HD. Bon, je vais ça HD tout. Juste pour nous capable bien expliquer nous. Ça me voulait expliquer nous. Je vais ça HD aussi. OK? Quand nous sommes capables de remarquer, nous gagnons 3 H2. OK? 3 HD. Je vais ça H3. H3.
Voilà, H3. OK. Bon, mettons l'autre paragraphe pour nous bien saisir. Vous voulez nous bien comprendre partie ça parce que c'est extrêmement important pour nous capable de développer un site. OK, ça c'est page 1. OK. Pas besoin. OK, on te va l'espace, mettre l'espace là. OK. Classe et ID. Et CSS. OK. Juste mettre tout détail ça sur une façon pour expliquer nous bien ça m'a bien. On imagine dans site nous on gain 3 H2 et gain 2 HD nous voulons classifier yo. OK, nous voulons classifier, c'est-à-dire nous voulons bailler yon classe. Et bien premier ça n'a fait, n'a venir dans HD nous voulons bailler classe. On considère premier n'a quitter le comme HD sans nous pas changer rien là-dedans parce que nous là nous appliquer un font size là-dedans. On quitte le comme ça. On considère deux deuxièmes, on a baillé en classe. Par exemple, on a pris les classes. Premier, ça, on a fait, on a vini dans tag. Côté, nous voulons appliquer classe, on a écrit classe. Et puis, on a baillé, on a pris les classe. Et, rouge. OK? Rouge, par exemple. Ou bien, bleu. On a pu comprendre, bleu. OK? Nous avons gagné une classe qui vient c'est un attribut dans tag H2 qui c'est un autre tag. On considère nous voulons utiliser classe A là. Qui ça fait mettre classe A dans tout deux? J'aime t'expliquer dans bus là, nous capable gagner une classe qui gagne plusieurs groupes en dedans. Par exemple, classe bleue, nous capable appliquer dans autant de tags possibles. C'est pas seulement dans H2 nous capable appliquer, nous capable appliquer dans P, nous allons appliquer dans tag. Quel que soit tag nous gagnons. Depuis devant, nous allons div, nous allons span, nous allons un tag de bagage comme ça. Mais restez tranquille, m'a expliqué nous tout en détail. Quand y'a qui ça nous a fait, nous venons là dans CSS nous. Pour nous capables de une classe, nous mettez point dans CSS. Ok? Premier bagage nous fait laisser une classe, nous mettez point, et puis nous écrit non classe nous. Qui non de bagage classe nous? Bleu. Nous relè bleu. OK, nous relé blé et puis nous ouvri chavé, nous ouvri clé et puis nous écrit. Par exemple, n'a dit couleur couleur n'a ballon couleur un ballon couleur qui différent. OK, un ballon couleur vert qui c'est dark green. OK, point virgule. Nous ka remarquer qu'on y a tout des classes nous qui gagne classe de tag H2 nous qui gagne classe bleu immédiatement prend couleur vert là. On met le bleu parce que nous tirer les classes à bleu juste pour nous ka bien comprendre. OK, nous yo en bleu. On imagine qu'on y a nous voulons utiliser ID. Qui ça ID? J'aime dire nous ID li unique, nous pas utiliser un ID deux fois. Nous devons utiliser ID une seule fois. C'est peut-être ça, là, nous avons site, nous allons diviser le site en trois parties. Nous avons une partie en tête là qui c'est ID. Nous avons utilisé un ID pour ID, par exemple. Nous avons utilisé un ID pour foot, par exemple. Là, nous allons appeler un ID, nous mettez symbole numéro A. D'abord, on crée un ID pour paragraphe ça. Ou bien, on crée un ID pour H3. OK, n'a pété ID. OK, l'en a créé un ID tout nous commencer par ID et puis égal et puis nous ouvri espace nous ouvri apostrophe pardon et puis nous écrit nos ID nous par exemple nous relè spécial. OK, qui ça n'a vini dans CS nous connait mettez symbole numéro A qui et puis n'a mettez nom ID nous qui nous relé spécial et puis n'a ouvri clé n'a écrit qui ça nous voulait faire ensemble avec n'a ballon couleur n'a balle couleur
qui couleur ta de balle là? Brown. Point virgule. Voilà. On pas remarquer couleur a li brown. OK? Ouais. Couleur a li brown. ID ça, moi pas ka copier, moi pas ka copier ID ça pour utiliser dans yon lot. OK? On me répond un message rapide de travail. Hein? OK. Nous pas ka me copier ID ça, nous pas ka copier ID ça. Par exemple, nous pas ka copier ID ça, même j'en te fait pour classe là, nous coller dans P. Nous pas ka faire ça. Pour qui ça? Yon ID li unique, nous seulement ka utiliser dans yon seul tag. M'vlem bien saisi parti ça. M souhaite m pran soin pour m'expliquer nous. Yon classe, nous ka utiliser dans plusieurs tags en même temps. Mais yon ID nous capable utiliser dans yon seul tag. Nous pas ka utiliser deux fois. Si nous voulons utiliser yon ID là, n'a pas ID ça yon l'autre non. Bon pour exemple, si mal cliquer là, on y en après pas gen changement fait nan paragraphe là parce que li a utilisé yon ID qui kitan a utilisé. Ça li pas correct en CSS. OK? On considère ID ça nous ta remè rele simplifier. OK, qui ça n'a fait qu'on y a n'a vini dans CSS nous hein. N'a relé symbole numéro et puis n'a écrit simplifier qui c'est nous ID nous simplifier. OK, et puis n'a ouvri clé, n'a metté couleur par exemple, n'a balion couleur. M'a trop bon en couleur non mes amis, m'a balon couleur vert pour nous non. OK, m'a balon couleur forest green pour nous ca bien saisi ça me voulait faire passer. Voilà. Vous avez remarqué qu'on y a paragraphe là, il y a une couleur différente exactement façon. Bon, me rappeler nous tout ça mentionner nous dans partie ça. Classe, nous utiliser classe pour nous capable utiliser plusieurs tags en même temps avec même nom classe là. OK? Mais nous utiliser ID pour nous capable identifier un tag spécifique unique. Nous pas qu'à utiliser un ID deux fois nan yon site qui gen même nom. Chaque ID doit gen yon nom différent. Nous ka gen différent classe, mais nous ka pa gen classe qui gen même nom qui utilise nan même tag. OK? Par exemple, si me vle kon y a utilise classe moyen, classe blue. OK? Nan dernier paragraphe moyen, m'a seulement copier classe blue, vini nan dernier paragraphe la, metel. Nan pa le paragraphe la vini nan bleu parce que classe là il capable utiliser plusieurs dans plusieurs tags dans même page HTML qui n'a pas utilisé. Pourtant yon ID nous capable utiliser yon seule fois. Si nous besoin gain plusieurs ID, chaque ID doit gain un nom différent. Nous souhaitons nous aider nous en pile dans partie ça, nous souhaitons nous comprendre et si nous gain question par rapport avec tout ça m'enseigner qui me pas enseigner nous pas saisir toute idée. Nous sommes capables d'entrer dans le groupe WhatsApp ça qui est en bas de la vidéo. Nous sommes capables de poser une question et je prends le temps, je prends ce que nous sommes capables d'expliquer. C'était Zamini Benson Gustave et à la prochaine pour nous parler de Div et Span pour une classe qui est plus intéressante. Pas oublier abonner, pas oublier like vidéo, pas oublier faire commentaire, pas oublier partager avec l'autre monde. Une façon pour plus de monde capable d'informer et apprendre ensemble avec nous pour capable gagner une nouvelle profession. Et commencez à mettre main nous en pratique, pas seulement prendre plaisir à assister vidéo mais pratiquer en même temps, essayer penser business de façon pour pouvoir progresser. À la prochaine pour une autre classe.